T'as une nouvelle de Miguel? Non, pourquoi? Parce qu'on risque d'avoir des problèmes. Des problèmes, tu vois? Ouais. Ouais, on va se faire attaquer par des fils de pute. Faut en faire gaffe. Ouais. On va parler sniper. Sniper, essaye de couvrir en haut. D'accord. On appelle notre général de guerre. Ok. Putain. Tu vois un enculé, tu l'exécutes. Voilà une voiture! Oh mec, on va aller au pieu! Ouais, ok! Qu'est-ce que toi t'as foutu, bordel de merde? Tu nous as dit les derniers, les sauveurs. Je t'ai pas dit les derniers, je t'ai dit les tuer, bordel de merde! T'es trop con! Mais tu sais quoi? T'as qu'à bouger ton cul, faire un boulot à ma place. Ferme ta gueule! Tu crois tout savoir, mais toi tu sais que dalle. Tu sais quoi? Va te faire enculer! Bouge ton putain de cul de merde! Oh, viens! Attention! Non. Patron, on a un petit problème dans le jardin. Quel genre de problème? Bah, en fait, si tu veux, les sauveurs, ils nous l'ont foutu un peu à l'envers parce qu'il y a un arbre dans le jardin. Ah! Bon, qui a une grue? Je paye! C'est ma tournée! Mon de Dieu. Putain, c'est qui, fils de pute, qui m'a mis un arbre dans le jardin? Putain, si je le saupe, lui, je vais le foutre en balai dans le cul. C'est déjà fait. Oh, ce qu'il est. Oh, on l'a mitraillé avec plusieurs hommes. Bah non, moi, je vais le foutre en balai dans le cul pour qu'il souffre. C'est pas drôle, ça. Bah, c'est un sauveur, tu nous as tous été tués. Bon. Il obéit à Negan, mec. Le prochain sauveur que vous voyez, vous le capturez, comme ça, je vais le foutre en balai dans le cul. Ouais. C'est vrai. Ouais. Ouais. Oui. Arrête de jouer, t'es pire qu'une gonzesse. Ça, par contre, tu le gardes pas. Bon, je crois qu'on va. Attends. Vous savez quoi? Je vais engager un sniper pour qu'il surveille ce putain d'avant-poste 24h sur 24. Et c'est pas grave, si j'ai bégayé, on le rendrait. Ok. Bon, au boulot. Allez, bouge-toi le fion. On va tous les tuer, ces bandes d'enfoirés. T'es sérieux là? Bah oui, pourquoi? T'es vraiment un débile, toi. Bah oui, pourquoi? Oh putain. Les sauveurs, ils sont une centaine de milliers. Ah. Ils obéissent tous aux ordres de Negan. Ils sont tous Negan. Bah alors, on tue. Ça va pas se faire en un jour. Bah alors, on tue Negan. T'es comme ça, toi. Bah ouais. Tu crois que tu vas tuer le Big Boss comme ça? Bah non. C'est moi le Big Boss, de toute façon. T'es très loin d'être un Big Boss, moi je te dis. Hein. Que lui, Negan, là, s'il te verrait en face, mon gars, il te découperait en deux. Donc s'il te plaît, ferme-le. Hein. Arrête de te prendre pour quelqu'un parce que t'es personne. Et toi, t'es quelqu'un? Bah non. Ouais, je suis le soldat qui me retient de te tuer. Bravo, mon fils. Bravo, mon fils. Bravo! Qu'est-ce que tu branles? Tu vas te poser dans ton connard, sinon tu vas te retourner à te branler là. Ferme-la, on va les battre. Moi je suis conclu. Bravo. Oh, je vais dire un truc. Attends, dernier truc. D'accord, oui. J'ai une mauvaise nouvelle. Ah. J'aime que les bonnes, moi, c'est. Le général de guerre, l'homme à la massue, Chang et Negan, ont décidé de faire feu sur tout flic, SWAT et militaire. Ils ont décidé de faire une purge qui durera certainement plusieurs mois. En gros, on n'a pas d'autre choix que de tous les éliminer. Ah, effectivement, c'est un problème. Bon, sur ce, je vais manger un sandwich. Et moi, un Big Mac. Putain, encore un con de sauveur. C'est bon ? C'est une heure que j'attends, toujours personne. Ça me casse les couilles, c'est une heure. Putain, je vais dire à côté comme ça ce connard il aura peur. C'est lui, c'est il aura peur, c'est lui. Putain, c'est quoi ce vacarme? J'ai entendu des flingues là. Y'a un mec qui tire. Putain, c'est un connard. Bah oui, je l'entendais, mais il quelque part il tire, il y a tout sniper ici. Ouais, je suis tout con, prenez les gars. Prenez les gars. On va y aller, bouclez les gars. On va t'accompagner les gars. Putain, j'entends. Feu là! Mon arbre
Oh! Oh, Nickel! Quel bord de con, c'est Miguel. Je m'excuse, je respecte Miguel. Ouais. Oh, pour ça. Ah! J'ai oublié que ça devait des rondeurs, cette petite merde. Je devrais peut-être penser à démissionner pour ma famille. Tu parles pas de rire par hasard? J'ai une famille. J'en ai rien à branler, ta famille. Ta femme l'encule ce soir. Ça me fait au courant, petit enfoiré. Ah oui, t'as mis. Maintenant, tu as promis. Oh! Oh, il y a une grappe! Oh putain, ça fait mal! Ouais, je suis là! Oh! Oh, dépêche, mec! Je suis en train de souffrir sa mère! Allez, allez, putain, je vais te faire des coups de soucis, allez! On va appeler d'urgence. Qu'est-ce que vous faites là? Bougez! Bougez! C'est le renfort. Pathétique. Putain, on fait la gueule!
sont où? J'ai trouvé un gilet. Ils avaient établi une base militaire ici. Ok. Ils étaient ici pour moi. Ouais, mais les casques, les arbres. Ouais. Tiens. Où est-ce qu'ils sont passés, ce fils de pute? C'est pas grave. Connard, c'est le tapette. T'inquiète, on va le revoir. De toute façon. T'inquiète pas, il y a les sauveurs qui vont arriver. On va fortifier la zone. Mais ils sont où? Ça fait une heure qu'on les attend. Mais ils arrivent, ils sont longs. Hein. Là, ils habitent juste à côté. SNCF, ça marche pas très bien en ce moment. C'est juste à côté. On a un peu de. C'est les grèves. On est à 200 mètres. C'est les grèves, trop du cul. On est sur le terrain, mais dans notre zone, ils arrivent même pas, ils mettent deux ans. T'inquiète pas, de toute façon on va parler à Negan pour qu'il fortifie cet avant-poste. Hein. On savait très bien que ça allait arriver au bout d'un moment. Moi s'il le fait pas, tu vois, s'il le fait pas, je me cache, je raconte tout aux autres. Je me cache. Ça s'appelle une tapette. Je crois que ça fait que commencer.